Chose. J'espère que vous allez bien et ben, je vous souhaite la bienvenue pour cette dernière guidance de l'année 2022. Donc là, on va regarder un petit peu les énergies pour le dernier week-end. Bien évidemment, comme d'habitude, on va effectuer la guidance signe par signe. Donc n'hésitez pas à aller voir tous vos signes pour avoir plus de conseils, de prédictions, voilà, pour regrouper un petit peu les guidances. Alors, on va commencer par les énergies générales et dominantes, donc de votre week-end avec le Béline de Gabriel Sanchez et le tarot des anges. Ensuite, on fera notre petit taroscope pour voir la situation dans le détail avec The Light Circe Tarot. Et à la fin, je vous prendrai une petite carte de cet oracle pour vivre la sagesse au Ho'oponopono. Voilà, les amis, bien évidemment, vous trouvez en barre d'infos, mais aussi en commentaire, le nombre de minutes qui correspond à chaque signe astrologique. N'hésitez pas tout simplement à cliquer sur le nombre de minutes pour accéder à votre guidance. Je vous souhaite de passer un très bon week-end à tous, une très belle fin d'année et encore une fois, hein, je vous souhaite vraiment une très très belle année 2023. Vous avez bien sûr les guidances de l'année qui sont disponibles, n'hésitez pas à les rechercher dans les playlists. Vous avez également deux premières guidances pour le mois de janvier 2023, donc vous avez une première, donc c'est des guidances signe par signe, des longues vidéos, donc une première prédiction et conseils, et la deuxième, on a le professionnel, le sentimental va pas tarder arriver. Voilà les amis, tout y est, je vous fais des bisous. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter pour me dire si ça vous parle. Abonnez-vous pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore. Merci infiniment pour toute votre bienveillance. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent week-end. Vous allez bien et bienvenue pour votre guidance pour le dernier week-end de l'année. Allez, on commence avec l'énergie dominante. C'est parti. Allez, la dominante pour le week-end. Alors, pour vous, oulala, on a la carte ruine, ruine, effondrement, peut-être une rupture, peut-être quelque chose qui s'arrête, hein, qui s'effondre. Hein, je suis obligée de lire la carte hein, puisqu'elle est sortie. Allez, on va prendre une carte supplémentaire. Alors, est-ce que vous allez peut-être vous sentir mal? C'est possible. Peut-être vous sentir un petit peu dans le sacrifice, pourquoi pas. Roi de feu. Un signe de feu, bélier, lion, sagittaire et as d'épée. Peut-être que c'est en lien avec la communication. Donc attention, hein, peut-être qu'on a un signe de feu là qui va trancher pour vous pour ce week-end et qui va décider peut-être d'une rupture. Hein, les capricornes, ça c'est possible. Sinon, c'est quelque chose qu'on va vous dire ou que vous allez entendre sur vous qui risque effectivement de vous effondrer, de vous blesser. Hein. Donc attention, attention ce week-end. Hein. Voilà, allez, on va voir ce que nous dit Light Circe Tarot pour comprendre la situation. C'est parti, Capricorne. Alors. Alors, on a le 9 de Pentacle. Peut-être, hein, pour certains, vous allez hein, vous retrouver seul. Hein. Vous voyez, le 9 de Denier, généralement, c'est la carte du célibat. Là, attention, il y a une rupture à prévoir, hein, les amis. Hein. Alors, on y va. Alors, votre énergie à vous pour ce week-end. Roi de coupe, ça, c'est bien. Le défi challenge, le 8 d'épée. OK. Les événements possibles pour ce week-end, un 4 d'épée. Le conseil du tarot. On a un 3 de bâton et on va voir donc l'évolution possible, un 6 de bâton. Ok. Bon, peut-être que cette situation, elle est déjà là actuellement pour certains. Ça peut être possible, vous adapter, ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le familial, dans le relationnel. Essayez de voir comment ça peut vous parler. On va régler ça. Alors, qu'avons-nous ici? Vous, votre mood, votre énergie, pour ce week-end, on a le roi de coupe, donc c'est bien en fait, vous canalisez vos émotions. D'accord? Malgré tout ça, vous ne débordez pas au niveau émotionnel. Hein. Malgré quelque chose qui va être dit, peut-être une vérité que vous allez apprendre, peut-être aussi la décision de ce roi de bâton hein, de rompre hein, soit la communication pour ce week-end, soit la relation. Ça peut être possible. Alors, attendez, j'essaye de voir comment je peux placer les cartes, comme vous êtes le premier signe. Voilà, pour que vous puissiez bien tout voir.
Voilà, parfait. Donc, c'est ça. Soit la personne décide d'une rupture, décide de ne plus communiquer avec vous pour ce week-end, ou peut-être pourrait vous dire quelque chose de blessant. D'accord? Mais là, ici, roi de coupe, hein, vous, ce week-end, vous canalisez toutes ces émotions un petit peu compliquées. D'accord? Ça ne va pas être évident, mais on voit que vous voulez juste être en paix ce week-end. Et je pense que ça, c'est une très belle approche par rapport à cette situation. Alors, votre défi, votre challenge, on a un 8 d'épée ici. Donc, on vous dit attention à ne pas rester justement coincé dans des souffrances ou de la tristesse. Ou, vous voyez, là, vous êtes dans une belle énergie en tant que roi de coupe. Donc, attention de ne pas vous bloquer. Au contraire, quand bien même il y a quelque chose d'un peu négatif, essayez de sortir, essayez de faire des choses qui vous font plaisir. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Les événements possibles, on a le 4 d'épée. Je pense que c'est une prise de distance entre vous et cette personne. D'accord, mais peut-être aussi c'est nécessaire parce que ça va vous permettre de prendre soin de vous, de vous reposer. Peut-être que c'est une relation hein, aujourd'hui dans laquelle il y a des complications. Ça, c'est possible aussi. Hein. Alors, le conseil du tarot, on a un 3 de bâton. Donc, 3 de bâton vous dit d'attendre. D'accord, n'agissez pas. Peu importe ce qu'on vous dit de blessant, peu importe si on vous dit on se sépare de vous, si on vous dit quelque chose qui pourrait vous faire du mal, n'agissez pas, attendez, patientez. Et l'évolution de cette situation, on a la carte du 6 de bâton. Donc 6 de bâton, on peut avoir une victoire pour vous, mais on peut avoir aussi la fierté que vous allez avoir déjà pour vous, en vous, voilà, d'avoir su canaliser tout ça. Vous voyez, c'est hyper important ce week-end ce qui va se passer au niveau de votre travail personnel, de votre développement, et peut-être même qu'on peut avoir une évolution éventuellement comme des récompenses ou une évolution dans la relation. Ça peut être possible, mais dans tous les cas, voilà, le mieux c'est d'écouter les conseils pour ce week-end si cette guidance vous parle, bien évidemment. Allez, on termine avec une petite carte conseil, justement. Et voilà, nous avons la carte. Tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Les grands principes de la vie sont présents en toutes choses. Il suffit d'observer la nature qui nous entoure. Ces secrets sont à portée de tous, du plus humble au plus instruit. Bon, peut-être observer les choses hein, pour ce week-end. Soyez dans la simplicité, pas de débordement, pas de colère, voilà. Recentrez-vous, prenez soin de vous. Ce qui se passe là, ça ne veut pas dire que ça va être la même chose la semaine prochaine, mais aussi peut-être que ça permet une libération. Vous voyez, pour ceux qui vivent une relation un petit peu compliquée. Voilà les amis, ben, je vous souhaite de passer un Bienvenue pour bon votre week-end, guidance un du bon week-end, bientôt. du Bye bye. dernier week-end de l'année. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va avec l'énergie dominante pour ce week-end des Vierges. Allez, pour ce week-end les Vierges, quelle est l'énergie? Va se passer. Oh, la beauté, ça c'est magnifique. Hein. Il y a un émerveillement, il y a quelque chose qui pourrait vous faire plaisir, les Vierges, pour ce week-end. Peut-être qu'il y a des sentiments amoureux, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec l'art, l'artistique, il y a peut-être quelque chose qui vous fait plaisir, qui évolue. C'est très très beau. Hein. En tout cas, ça va être un bon week-end, un beau week-end pour vous, Vierges. Allez, on prend une carte complémentaire. Vierge. Et j'ai votre carte, les amis. Et magnifique, on a un 4 de feu. Donc le 4 de feu, c'est le 4 de bâton. Ça parle de paix, ça parle de contentement, ça parle d'abondance. Je pense, hein, pour certains vierges, on peut avoir un engagement. Vous pouvez vous sentir bien dans un engagement sentimental. Peut-être aussi, il y a un projet qui se concrétise là ce week-end. C'est possible, peu importe quel projet, même un projet d'habitation, pourquoi pas. Sinon, vous vous sentez bien chez vous. En tout cas, bon, dans le fond, on peut parler d'une stabilité en général et émotionnelle. Et ça, franchement, c'est super. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, on a une première indication. Ah, valet d'épée, il y a peut-être de la compréhension, de la communication ce week-end. Peut-être une communication qui permet de stabiliser les choses, ou peut-être que vous allez comprendre quelque chose voilà, qui va vous permettre de vous sentir bien, vous voyez? Allez, on découvre les cartes ensemble. On va voir votre énergie pour ce week-end, les Vierges, As de Denier. D'accord. Ensuite, on va aller voir. Alors, attendez, j'aimerais bien placer ça correctement. Voilà, on va mettre ça comme ça. Alors, votre énergie pour ce week-end, d'accord. Ensuite, votre défi, votre challenge pour ce week-end, le 6 d'épée. Est-ce que vous allez devoir. Non, les événements possibles, le 8 de bâton. OK.
Conseil du tarot, 7 d'épée et évolution, le 3 de denier. Ok, bon, les vierges, c'est possible qu'actuellement vous avez des petits doutes, peut-être qu'actuellement, effectivement, vous doutez de quelque chose, vous posez des questions, vous voyez, vous avez peut-être même aussi, pourquoi pas, du mal à choisir, peut-être que vous avez envie de faire quelque chose et vous vous dites, non, bah, je ne sais pas, voilà, il y a vraiment une incertitude, une hésitation, j'ai l'impression que bah, vous vous apaisez, vous reposez, vous prenez votre temps, parce que pour l'instant, vous ne savez pas quoi choisir, et je pense que ça peut concerner une communication, un partage avec quelqu'un, vous voyez. Ok, alors, là, votre mood, on a l'as de denier. Donc, l'as de denier, soit vous avez quelque chose à offrir, soit vous avez quelque chose à prendre. Dans tous les cas, vous êtes stable, vous êtes ancré pour ce week-end, on le voit encore ici. Vous êtes prêt à accueillir quelque chose de nouveau. Peut-être, ça peut parler d'une personne que vous connaissez déjà, mais vous êtes prêt à accueillir, vous êtes prêt à donner. Hein. Ça, c'est super, très belle énergie. Hein. Ensuite, quel est votre défi challenge? Le 6 d'épée, c'est de ne pas vous inquiéter. D'accord? De ne pas vous inquiéter. Moi, je pense aussi, Vierge, il y a peut-être un geste, quelque chose que vous allez devoir faire, parce que là, on voit qu'aujourd'hui, vous hésitez. Ça concerne peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, mais vous hésitez, je pense, à partager, parce que vous avez peut-être peur ou à proposer quelque chose à quelqu'un, parce que vous avez peut-être peur que la personne vous rejette, vous refuse, bon, peu importe. Et là, je pense que ce week-end, hein, ça va être le moment d'y aller. D'accord? D'y aller sans vous inquiéter. Donc, c'est un petit peu ça, votre défi, votre challenge. C'est OK, vous y allez, mais soyez sûr de vous et laissez les inquiétudes de côté. D'accord? Parce que les événements possibles pour ce week-end, ben, on a de la communication. D'accord? Je pense que tout ça concerne une communication et ça va être une communication fluide, stable. Hein. C'est quelque chose qui va très, très bien se passer. Hein. À condition, pardon, que vous y alliez sans inquiétude, les vierges, et en étant sûr de vous, bien évidemment. Le conseil, on a le 7 d'épée, lâchez les peurs. D'accord? Le conseil, c'est ça, lâchez les peurs. La peur du rejet, la peur de se tromper, vous voyez, la peur... toutes les peurs que vous pouvez avoir, les vierges, on vous dit, allez-y, parce que la suite, c'est un partenariat avec l'autre, c'est peut-être même une réconciliation, c'est une évolution, c'est on construit la relation, on reconstruit la relation, on avance ensemble, vous voyez, on a un petit peu tout ça. Donc franchement, s'il y a quelque chose que vous avez envie de faire aujourd'hui, les vierges, et que vous hésitez, allez-y ce week-end, vraiment dépassez-vous, parce que ça va le faire. Allez, on termine avec une petite carte conseil. Et pour vous, les vierges, j'ai tout ce qui vient, tout ce qui vit vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Et c'est pour ça qu'on vous dit, hein, là, si vous êtes dans des peurs, si vous y allez en vous disant, mais non, on va me rejeter, on ne va pas accepter ou je ne sais pas, forcément, ça va se passer comme ça. Allez-y avec confiance, c'est ce qu'on voit. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé. Passez un très bon week-end. Des bisous. Que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance pour le dernier week-end de l'année 2022. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie dominante de votre week-end, Taureau. Alors, Taureau, pour vous, waouh, j'ai l'appui. Il y a peut-être, vous allez obtenir du soutien, de l'aide ce week-end. Peut-être vous allez vous sentir protégé, peut-être qu'on peut avoir une collaboration, une aide, un soutien de l'univers, de quelqu'un, on va voir au fur et à mesure de la guidance. Ok, allez, on va voir avec ce jeu la carte complémentaire à cette énergie. Taureau. Okay, pour les taureaux, je vais laisser sauter la carte. Taureau. Voilà. Alors, Taureau, magnifique, on a l'éveil. L'éveil, c'est la carte du pendu. Donc, je pense que vous allez obtenir de l'aide pour sortir d'une impasse. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu dans une impasse, peut-être même dans un sacrifice pour certains taureaux. Et je pense que cette aide-là, ça va être comme un changement de regard sur la situation, un changement de vision de la situation dans laquelle actuellement... qui est compliqué, on va dire, difficile ou une impasse. Voilà, c'est temporaire, on vous dit. Hein. Là, l'aide que vous allez obtenir, c'est ça. C'est un changement de regard. Voir les choses différemment. Donc, forcément, agir différemment aussi. Pourquoi pas? Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. On va découvrir ensemble les cartes.
Moi, j'ai l'impression de voir pour certains taureaux une acceptation. Comme si vous allez accepter quelque chose que vous n'acceptiez pas avant et qui était difficile à vivre. Et là, forcément, ben, on se sent soulagé. Voyez? Alors, votre énergie, votre mood pour ce week-end, ben voilà, la tempérance, super. D'accord? Le défi challenge. Eh oui, 9 d'épée. D'accord? Événement possible ce week-end, 10 de bâton. Conseil du tarot, le soleil et l'évolution. Et le pape, c'est votre carte en plus, la carte du pape, magnifique. Là, il y a 3 de bâton parce que je pense qu'il y a quelque chose que vous attendez, taureau. Actuellement, il y a quelque chose que vous attendez et c'est difficile. En fait, cette attente, elle est quand même assez difficile parce que vous avez du mal à vous projeter, tout simplement. C'est ce que je vois ici. Mais on dirait que, ouais, peut-être que ça concerne un signe d'eau, hein. Ça, c'est possible. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est poisson, cancer, scorpion. Pourquoi pas, ça, c'est possible. En tout cas, votre énergie à vous pour ce week-end, regardez, la tempérance. C'est peut-être l'attente, c'est peut-être la tempérance, ouais, j'allais dire la guérison, mais plutôt la tempérance. On dirait que vous tempérez des énergies compliquées, vous tempérez une attente difficile, vous voyez, vous tempérez peut-être là avec le 9 d'épée, hein, ce qui peut vous faire mal, vous tempérez ce que vos pensées ou les émotions de cette impasse là dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà, vous êtes dans une énergie, vous avez envie, voilà, d'être en paix, d'être bien, de vous sentir bien. Ok, ensuite, votre défi challenge, bah, c'est le 9 d'épée. Il faut que vous sortiez, en fait, taureau, de ces inquiétudes, ces angoisses, cette tristesse, cette souffrance, cette culpabilité, à voir comment ça parle à chacun. Il faut que vous sortiez de ça, d'accord? Ça va être ça, votre défi, votre challenge. Ok, maintenant, les événements possibles pour ce week-end, on a un 10 de bâton. Il y a quelque chose qui va se terminer, taureau, d'accord? Soit vous allez accepter une fin. Enfin, ce week-end, donc changez votre regard. Soit vous allez déposer ces fardeaux, donc ce qu'il y a de lourd, en fait, actuellement sur vos épaules, et c'est en lien avec ce 9 d'épée. Ça peut être, comme je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, culpabilité, douleur, tristesse, angoisse, souffrance, etc. Le 10 d'épée, c'est fini. D'accord? C'est fini, parce que soit il y a une situation qui s'arrête, ou soit vous décidez, vous, de lâcher. De maintenant d'être dans une fluidité, dans une belle énergie, plus dans une énergie négative et néfaste. Conseil du tarot, on a le soleil. Donc le soleil, conseil, c'est soyez heureux, taureau. Si cette situation vous rend malheureux, changez votre perception, regardez les choses sous un autre angle, soyez optimiste, ayez la foi. S'il y a quelque chose qui se termine, il y aura beaucoup mieux après. C'est pas la fin du monde. S'il y a des choses lourdes à supporter, de la culpabilité ou autre, pardonnez à vous, pardonnez à quelqu'un. Voyez, c'est un peu tout ça, la carte du soleil. D'accord? Et l'évolution, magnifique, parce qu'on a le pape, et le pape, c'est votre carte dans le tarot. Donc, le pape, l'évolution, ben, vous allez avoir encore plus de foi. D'accord? Vous allez guérir, parce que c'est aussi une énergie de sagesse et de guérison. Vous allez apprendre de cette situation, vous allez comprendre. Et en plus de ça, hein, vous allez attirer plein de choses, plein de belles choses, voyez? Vous allez être vraiment bien, vraiment heureux. Ok? Donc, là, ce week-end, on lâche ce qui est lourd. Voilà, taureau. Allez! Une petite carte conseil pour finir. Et nous avons, taureau, je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix, l'harmonie dans notre existence. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Exactement, taureau. Voilà les amis, je vous souhaite de passer un bon week-end. Vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance donc, de votre dernier week-end. Pour votre guidance du dernier week-end de l'année 2022. Allez, c'est parti, balance. On va commencer par l'énergie dominante pour ce week-end. Ce qui va se passer, dans quel mood vous êtes, quelle énergie. Hop, et ben on a du trafic. On va avoir soit de la communication, soit des déplacements, soit quelque chose en lien avec le commerce, des échanges, des transactions, des choses comme ça pour vous, balance. Allez, on prend une carte supplémentaire. On laisse sauter la carte, balance, et nous avons ici, la carte de la lune. Ouh, il y a plein de choses qui ont lieu en coulisses, c'est fou. Écoutez, moi, ce que je vois là, balance, vraiment, avec la lune et cette carte du trafic, plein de signes et de synchronicité pour vous, balance. Il va y avoir des choses. Alors,
Beaucoup d'échanges aussi sur un point de vue spirituel, peut-être les balances, si vous êtes dans ce domaine-là, si vous êtes des guides, etc., si vous êtes sur des groupes de partage, peu importe, beaucoup de communication à ce niveau-là. Sinon, je vois vraiment énormément de signes de synchronicité, de communication un petit peu. Comment je peux dire ça? Des communications un petit peu comme de la transcommunication, quoi, quelque chose comme ça. Bon, à voir, hein. Allez, on y va avec le tarot. En tout cas, vous, c'est très spirituel. On a une reine de coupe. Ah, il y a peut-être un partage avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ou peut-être que vous allez partager vos émotions aussi. Balance, c'est possible, hein. Vous allez communiquer vos émotions. Si la spiritualité ne vous parle pas, vous allez communiquer à quelqu'un vos émotions, vos peurs, vos doutes, etc. Allez, balance, c'est parti. On va aller voir un petit peu plus avec le tarot ce qu'on a. Allez, go. Votre énergie pour ce week-end balance à l'as de coupe. D'accord. Ok, défi challenge, 8 de bâton. D'accord. Bon, il y a vraiment de la communication. Événement possible, 2 d'épée. Conseil du tarot, le chariot. D'accord. Et ça me fait vraiment penser à la guidance des vierges, là. Hein. Balance. Hein. L'évolution, waouh, chevalier de coupe. Ah, on a la carte de la mort et de la renaissance. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut arrêter, balance, ou soit ça concerne quelque chose qui s'est arrêté, peut-être avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, peut-être la fin de communication, peut-être que vous voyez, il y a eu des blessures de l'âme, il y a eu peut-être une communication qui s'est rompue, une relation qui s'est rompue, à vous de voir, ça peut être dans tout domaine, hein. Même par rapport à un enfant ou bien au niveau relationnel, familial, peu importe. Hein. Bon, ça concerne quelque chose qui est là actuellement terminé. Donc on va rester sur la communication parce que là, on est beaucoup, beaucoup dedans, d'après les cartes du tarot. Donc moi, ce que je vois ici, c'est que votre énergie à vous, l'as de coupe, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur. D'accord? Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, de dire certaines choses à une personne, de communiquer vos émotions, votre amour, vos peurs, peu importe, hein, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, clairement. Maintenant, votre défi challenge pour ce week-end, bah, c'est d'aller communiquer. C'est d'y aller, c'est de foncer, c'est de communiquer, c'est de dire les choses. Parce que visiblement, cette situation, elle semble actuellement terminée, en tout cas, du moins au niveau de la communication. D'accord, il y a peut-être un abcès à crever, des choses comme ça. Et là, on est dans la fin d'année, donc c'est vraiment le moment de le faire. Alors, ce que vous allez devoir, non, les événements possibles, on a un 2 d'épée. Donc, 2 d'épée, c'est que vous pouvez hésiter. Hein, si vraiment vous écoutez le mental, c'est pour ça que là, il faut vraiment écouter votre cœur, parce que si vous écoutez le mental, forcément, vous allez hésiter. Donc, l'événement possible, c'est l'hésitation, mais en même temps, regardez le conseil, on a le chariot, donc on vous dit foncez, balance, c'est vraiment le moment. Foncez, communiquez, dites ce que vous avez sur le cœur, voilà, dites, faites-le, même si actuellement, il n'y a pas de communication avec cette personne, ou la relation, elle est rompue, même s'il n'y a pas de réponse, peu importe, là, il s'agit pour vous de vous soulager. D'accord? Parce que l'évolution, on a un chevalier de coupe. Donc, je pense qu'en évolution, bah, cette personne va faire des efforts vis-à-vis de vous, avancer vers vous, revenir vers vous. D'accord? Donc, faites-le si ça peut vous parler. Balance, peut-être que éventuellement ce week-end, il n'y aura pas de réponse, mais dans l'évolution, on a dans tous les cas une arrivée, une réponse. Donc, franchement, balance, si ça vous parle, allez-y, foncez. Allez, on termine avec une petite carte conseil. Lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. Les événements difficiles de notre vie demeurent. Alors, lors des événements difficiles dans notre vie demeureront dans la confiance. Les épreuves sont toujours suivies par des changements ou des opportunités qui nous seront bénéfiques. Donc, vous voyez, effectivement, on voit que c'est une petite épreuve là intérieure, mais il y a quelque chose de bénéfique. Mais il faut ouvrir votre cœur, faites ce que votre cœur vous dicte finalement, balance. À bientôt, je vous souhaite de passer un bon j'espère que week-end, vous les allez amis. bien. Je vous Bye souhaite la bye. bienvenue pour votre guidance, donc du dernier week-end de 2022. Allez, c'est parti, on y va avec l'énergie dominante. Verseau. Alors, quelle est la dominante pour les Verseaux? La reine d'air, eh bien, vous êtes dans votre énergie, hein?
Reine d'air, ce week-end, on peut avoir une prise de décision, on peut avoir de la réflexion, on peut avoir peut-être que vous allez être froid ce week-end, strict, hein, dans une situation. Ah bah mince, j'ai pris ce jeu avant. Bon, alors on va voir après. Je voulais prendre le Béline avant. On y va, on va voir ça. En tout cas, vous êtes dans votre énergie. Reine d'air, c'est vous, reine d'épée. Je sens une énergie froide. Hein. Je ne vous cache pas, Verseau, mais il y a des raisons. Ah, on a la carte de l'élévation. Ça, c'est super. Ce week-end, vous progressez. Vous avez une force intérieure. Il y a de l'optimisme. Vous évoluez aussi ce week-end. Hein, mais avec cette reine d'épée, vous êtes complètement dans votre énergie. Alors, peut-être que vous allez sentir une forme d'indépendance, hein, pour ce week-end. Peut-être aussi vous allez être réaliste. Peut-être vous allez être dans l'analyse. Peut-être aussi une froideur, une prise de décision pour vous élever vraiment très objective, juste et équitable. Pourquoi pas, il y a quelque chose comme ça. Hein. Allez, vous allez percevoir aussi une situation. Je pense, je ne sais pas, il y a une situation qui va se passer, mais qui va vous permettre de vous élever. Alors, est-ce que ça va être votre énergie dans cette situation? On va voir. On va voir avec le tarot. Verseau. Dans tous les cas, on a l'élévation, donc ça c'est bien. Et en plus, on a un soleil sur la carte, donc ça c'est vraiment, on a le côté optimiste, on a une force, une paix intérieure là pour ce week-end. Hein. Allez, Verseau, c'est parti. Quel est votre mood, votre énergie pour ce week-end? Eh bien, 4 de denier. D'accord. Défi challenge. Ouh, 5 de bâton. Ok. Événement possible. Le pendu. Conseil du tarot. La tempérance et l'évolution. Le 10 de bâton. D'accord. Ici, on a un 6 de bâton. Donc, 6 de bâton, on va parler de victoire. On va parler même d'ego et de fierté, hein, de confiance en vous, les Verseaux. Hein. Alors, moi, maintenant, là, cette reine d'air, là, je vois vraiment que vous, pour votre progression, votre évolution, votre élévation, pour être bien, c'est possible que vous soyez froid avec une personne et que vous preniez vraiment des distances. Hein, d'accord? Des distances émotionnelles, des choses comme ça. Alors, votre énergie, votre mood pour ce week-end, on a un 4 de pentacle. Donc, 4 de pentacle nous parle de on se préserve. D'accord? Et moi, je vous sens, Verseau, vous préserver d'une personne. D'accord? Donc là, peut-être qu'il va falloir aussi utiliser l'ego, la fierté. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être dans le domaine familial pour certains. Avec l'ermite, hein. Ça peut être dans le domaine familial. Voilà. En tout cas, la victoire, vous allez être fier de vous ce week-end aussi par rapport à tout ce qui va se passer, mais aussi peut-être qu'on va être fier de vous. Voyez? En tout cas, vous vous préservez, vous pensez à votre bien-être. Vous voyez, le 4 de denier, c'est vraiment l'avare du tarot, hein, pour ce week-end. Défi, challenge. C'est le 5 de bâton. Et votre défi, c'est de ne pas être dans le conflit. Au contraire, je pense que là, par rapport à une situation, vous allez agir intelligemment, vous allez prendre de la hauteur. Voilà pourquoi on a une pyramide et que vous allez être fier de vous. Vous allez prendre de la hauteur, être assez froid, distant, comme ça, avec une personne, je pense, hein, mais pas être du tout dans le conflit. Alors que peut-être qu'il y aura matière à être dans le conflit. D'accord? Mais vous allez vous préserver de toute énergie négative et pas du tout être dans le conflit. C'est pour ça que là, on vous a un défi. D'accord? Soyez la reine d'air, c'est votre énergie. Soyez plus intelligent. C'est ça, hein, c'est aussi la carte de l'intelligence. Prenez de la hauteur, peu importe, par rapport à cette situation et n'allez surtout pas dans le conflit. Les événements possibles, ben, on a le pendu. Vous voyez, le pendu, c'est de changer un peu peut-être votre perception de la situation, mais le pendu, c'est aussi, hein, je me mets de côté, je me mets dans ma paix, dans ma sérénité, je prends des vraies distances. D'accord, il y a ça. Hein. Conseil du tarot, la tempérance. Vous voyez? Donc le conseil, c'est choisissez la paix, la sérénité. Surtout, c'est par rapport à ça, pas de conflit. Vous voyez? Retirez-vous, dégagez-vous de cette situation, prenez de la hauteur. S'il y a conflit possible ou quoi, regardez cette personne de haut. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on vous dit. Hein. Le conseil, c'est tempérer vraiment, Verseau. Parce que je pense que là, il y a quelque chose qui va vraiment vous pousser à la colère, mais. Voilà, je pense que vous allez faire les bons choix. Et l'évolution, ben on a un 10 d'épée. Hein. L'évolution, c'est qu'en fait, je pense qu'en agissant comme ça, vous allez peut-être vous libérer de quelque chose. Vous voyez, 10 d'épée, c'est de vous libérer de certaines angoisses, peut-être de peur, peut-être, je ne sais pas, des choses qui vous tourmentaient finalement.
des choses qui vous tourmentaient, 10 d'épée, vous terminez un cycle où cette situation, peut-être vous prenez la tête un petit peu, mais juste parce que vous allez être super intelligent, vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette personne ou cette situation et plus privilégier la sagesse, la distance, l'ignorance que les conflits. Voyez, Verseau? Allez, c'est parti, on termine avec une petite carte et vous allez être fiers de vous, les amis. Hein. Parce que c'est pour vous, hein. Vous n'allez pas rentrer en conflit, c'est pour vous, pour votre bien, pas pour la personne en face de vous, voyez? Alors, Verseau, j'ai votre carte, on en a deux. L'univers est la manifestation de mes pensées. L'univers ne pourrait pas exister sans une pensée, notre pensée, qui le matérialise. Autrement, il demeurerait informe et vibratoire. Ok, mes pensées, voyez, on a beaucoup, hein, les pensées. Mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur. La nature de nos pensées détermine le monde dans lequel nous évoluons. Alors, développons des sentiments élevés, comme l'élévation ici, comme l'amour, la compassion pour attirer à nous un monde de paix et de félicité, comme ici. D'accord? Donc voilà, ça va être vos pensées. Je pense qu'au niveau des pensées, vous allez vraiment être super intelligent dans cette situation, Verseau. Voilà les amis, ben, je vous souhaite de passer un bon week-end et bientôt, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc du dernier week-end 2022. Allez, c'est parti Gémeaux, on y va avec la dominante. Gémeaux, l'énergie dominante pour ce week-end. Gémeaux. Alors, Gémeaux, la paix. Ouh, ça c'est beau ça. La paix, la tranquillité, la quiétude, l'harmonie, l'apaisement, la sérénité là pour ce week-end. Hein. Hein, voilà, vous êtes en paix, vous êtes tranquille. On a Vénus là, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la sérénité. C'est très très beau Gémeaux. Hein. Week-end franchement tranquille. Allez, on prend une carte supplémentaire avec cette énergie Gémeaux. Oh, on en a trop. Gémeaux. Et ici, nous avons un 2 de terre, donc un 2 de pentacle, un équilibre qui revient. Pour certains Gémeaux, peut-être qu'effectivement, il y avait un petit déséquilibre comme ça hein, la dernière semaine, peu importe dans quoi. Mais 2 de terre, un équilibre qui revient. Peut-être aussi, les amis, peut-être peut-être que vous allez prendre une décision, mais la décision que vous allez choisir, c'est la paix. Donc, c'est peut-être une relation d'apaiser quelque chose où vous allez choisir entre deux situations, la situation la plus apaisante, la plus tranquille, vous voyez. Sinon, c'est un équilibre. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Gémeaux. Allez, c'est parti Gémeaux, on découvre les cartes ensemble et on va voir votre mood, votre énergie pour ce week-end. Ah, l'impératrice, c'est très beau. Hein. Ok, votre défi challenge. Ah, 3 d'épée, d'accord. Événement possible. 7 de coupe. Conseil du tarot. Le diable. L'évolution. L'étoile. Ok. Bon, c'est pas mal. Ici, nous avons quoi? Oh, la tour. Hmm. La tour, la tour, la tour, Gémeaux. Qu'est-ce que c'est que cette tour, reine de bâton? Alors, cette tour, ça peut être quoi? Peut-être, Gémeaux, en terminer avec quelque chose, là. Hein, en terminer avec quelque chose pour privilégier la paix. Pour certains Gémeaux qui jonglaient avec deux personnes, pourquoi pas? En terminer peut-être avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est possible pour choisir la paix, la sérénité. Sinon, terminer avec quelque chose et prendre votre indépendance. Alors, à voir ce que ça peut être, hein. Une pensée, une attente, peu importe. Hein. Il y a quelque chose à détruire, à lâcher, hein, pour la paix, pour la sérénité. Et je pense que de toute manière, c'est le choix que vous allez faire. Parce que là, votre énergie pour ce week-end, c'est l'impératrice. Donc, vous êtes dans l'amour, vous avez envie de prendre soin de vous, vous êtes dans la bienveillance avant tout pour vous-même.
vous vous sentez bien, vous voyez, vous sentez en paix, serein, il y a quelque chose comme ça, une très belle énergie d'amour, encore une fois, avec l'impératrice. Ça, c'est votre énergie. Vous voulez que l'amour, d'accord? Et l'harmonie. Votre défi challenge, eh ben, c'est cette fin. Il y a quelque chose à lâcher. 3 d'épée, c'est un deuil à faire. Il y a quelque chose à lâcher, peut-être ça, là, vous voyez? Quelque chose, mais je sens pas forcément d'énergie difficile et compliquée. Hein. Mais en tout cas, pour certains Gémeaux, effectivement, à voir comment ça vous parle, pour avoir la paix, la sérénité, vous devez arrêter quelque chose ou lâcher quelque chose, tout simplement. Alors maintenant, les événements possibles, et c'est ce que je vous disais avec le 2 de denier, c'est qu'il y a peut-être une hésitation. Voyez, alors vous hésitez entre lâcher, pas lâcher, vous hésitez entre plusieurs personnes, vous hésitez à agir, pas agir. Voyez, il y a une hésitation, ça c'est les événements possibles. Mais au niveau du conseil, on a quand même la carte du diable. Donc quand on a le diable en conseil, je pense que vous devez lâcher, s'il y a un choix, hein, lâcher tout ce qui peut être toxique pour vous, d'accord? Tout ce qui peut être emprisonnant, emprise aussi Gémeaux. D'accord? Donc à voir, est-ce que c'est une énergie en vous de dépendance affective? Est-ce que c'est une personne si vous avez deux personnes dans la tête? Est-ce que, vous voyez, à vous de voir comment ça peut vous parler, mais tout ce qui est toxique à lâcher, si vous hésitez, hein, vous voyez, entre deux énergies, deux personnes, peu importe, privilégiez l'amour, la paix, la tranquillité, parce qu'en évolution, on a quand même l'étoile. Donc l'évolution, il va y avoir de l'espoir, il va y avoir des choses qui vont se passer, vous allez quand même vous laisser guider, vous allez être guidé, vous allez avoir des récompenses, il y aura beaucoup d'espoir. Donc pour certains Gémeaux, c'est peut-être des énergies un peu compliquées hein, qui aujourd'hui vous malmènent un petit peu, hein, vous voyez comme la peur dans une situation ou l'emprise dans une situation, une dépendance affective ou autre, sinon pour d'autres Gémeaux, c'est le choix entre deux. D'accord? À vous de voir. Choisissez ce qui vous tranquillise. Choisissez ce qui n'est pas toxique pour vous, emprisonnant. Ou choisissez de lâcher soit cette toxicité ou cette dépendance affective. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou bien peut-être vous sentez ce week-end un petit peu en rejet ou quoi. Il y aura cette tendance à vouloir envoyer un message pour piquer l'autre ou quoi. Ne le faites pas. Vous voyez, la paix, la sérénité, l'amour. Voilà, Gémeaux. Allez, on va aller voir. Et ça peut être bien sûr dans tout domaine, hein, même au niveau relationnel, familial. Allez, on va prendre celle-ci. La peur attire la peur. La haine attire la haine. L'amour nourrit mon âme. Les émotions bonnes ou mauvaises que nous vivons attirent les situations du même acabit. Alors, privilégions l'amour qui nous apportera la sérénité et nourrira notre âme. Donc vous voyez, pas de haine, pas de rancœur, pas de toxicité, pas de dépendance, pas de colère. Au contraire, même j'ai envie de vous dire, pardonnez même. Soyez dans le pardon pour attirer la paix, la sérénité, l'amour à vous, Gémeaux. Voilà ce qu'on a pour vous votre week-end. Merci pour votre écoute. À bientôt, Gémeaux. Et bienvenue pour la guidance de votre dernier week-end de l'année 2022. Allez, on va voir l'énergie dominante. Sagittaire. Sagittaire, on a eu la même chose pour les balances. Trafic. Là, on peut parler de communication, d'échange, de commerce, de transaction, de déplacement éventuellement. Allez, on va prendre une carte supplémentaire. Sagittaire. Le 2 de feu. Ah, ben les Sagittaires, écoutez, vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez oser communiquer, dire quelque chose à quelqu'un. Peut-être un choix, peut-être vous allez aller de l'avant, communiquer, peu importe. Hein. Ça peut être dans tout domaine, amical, familial, sentimental. Allez, on continue. Ou peut-être hein, vous déplacer, ça c'est possible. Hein. Peut-être même un déplacement, parce que le 2 de bâton, c'est aussi l'action dans le déplacement. Allez, on va voir ça. Sagittaire. Allez, votre mood, votre énergie pour ce week-end. 5 de bâton. Ok, défi challenge, l'as de denier. Événement possible, la tempérance, c'est votre carte, les Sagittaires. Conseil du tarot. 10 d'épée et l'évolution. Ah, le fou.
D'accord. Ici, ah, on a un 5 de denier. Donc 5 de denier, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Sagittaire, pour certains, dans une situation où vous vous sentez rejeté ou abandonné, il y a un petit peu cette énergie-là, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque. Les Sagittaires, peut-être que vous voulez vous réconcilier avec une personne, cette personne vous manque, mais c'est comme si vous n'osez pas y aller, vous n'osez pas communiquer. Ben, je pense que ce week-end, vous allez le faire. Soit vous allez vous déplacer, soit vous allez communiquer. En tout cas, votre mood, votre énergie, c'est le 5 de bâton. Donc je pense que vous êtes clairement en conflit intérieur entre ce manque, cette envie d'aller communiquer, de vous déplacer ou bien non, j'attends, je vais voir si la personne le fait, je reste dans mon coin. Vous voyez, il y a vraiment un conflit intérieur. Maintenant, votre défi challenge, on a l'as de pentacle. Donc, l'as de pentacle, pourquoi pas? Pourquoi pas y aller? Pourquoi pas communiquer? Pourquoi pas proposer quelque chose, voyez? Et c'est ça votre défi challenge parce que dans le fond, ben, il y a la peur d'être rejeté, la peur que la personne refuse, la peur d'être ridicule. Voyez, c'est un petit peu tout ça. Et ben, défi challenge, ben, c'est d'y aller. Parce que finalement, intérieurement, tout vous pousse à. Après, vous verrez pourquoi, pour quelle raison. Ça peut être pour du bon, comme ça peut être pour clôturer quelque chose. Mais voilà, le défi, c'est d'y aller. D'accord, d'y aller, voilà, de proposer quelque chose, peut-être un déplacement, communiquer pour dire on se voit, ça c'est possible aussi. Alors, ensuite, événement possible, la tempérance. Donc la tempérance, c'est votre carte, en plus les Sagittaires. Donc je pense que là, les événements possibles, c'est que vous allez peut-être tempérer ces peurs, ou soit vous allez attendre. Vous voyez, ça dépend. Parce que le conseil, on a le 10 d'épée. Alors, le conseil. Je pense que vous allez tempérer ces peurs. D'accord? Parce que là, le conseil, c'est arrêter d'avoir peur. Lâchez toutes ces peurs et allez-y. Voyez, le fou, c'est on saute le pas. Voyez, on saute le pas, on ose l'inconnu, on ose faire quelque chose qu'on se refusait de faire. Donc, voyez, donc là, vraiment, le conseil, c'est arrêtez d'avoir peur, arrêtez de patienter. Si ça vous pousse à le faire, c'est qu'il y a quelque chose à prendre. Vous comprendrez après pourquoi. Et là, en évolution, bah, je pense que vous allez franchir le pas, mais vous allez pouvoir peut-être même commencer un nouveau départ ou soit vous libérer de cette situation. Vous voyez, ça dépend, hein. Il y a quelque chose à dire, à faire, à vous de voir, les amis. En tout cas, ça ressemble vraiment à la guidance des balances. Donc, à voir comment ça parle. Allez, on termine avec une petite carte conseil. Tout arrive quand il convient. Les événements de la vie ne se produisent pas par hasard. Ils surviennent toujours au moment adéquat. Quoi qu'il arrive, soyons prêts à les accueillir. D'accord? Donc ça, bien sûr, ça peut aussi, si ça ne vous parle pas, ça peut aussi être interchangeable, quelque chose qui arrive à vous. Et là, vous allez devoir arrêter d'avoir peur et y aller, accepter. Mais je ne pense pas pour la plupart, c'est peut-être quelque chose que vous devez faire. Quand vous êtes prêt. Mais je pense que là, peut-être que vous êtes prêt aussi, mais il faut lâcher ces conflits intérieurs. Et ces conflits, c'est plutôt la peur d'être rejeté. Et pourtant, hein, il y a quelque chose à comprendre en faisant ça. Je vous dis, ça peut être positif, ça peut être un nouveau départ, ça peut être une libération, mais il y a quelque chose à faire. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous souhaite de passer un J'espère que bon vous allez week-end et bien. À je vous souhaite bientôt. la bienvenue pour votre guidance donc du dernier week-end de l'année 2022. Allez, on commence avec l'énergie dominante pour nous, les lions. Pour notre week-end. La passion, les amis, la passion. Ouh, il y a de la fougue, il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a une force intérieure, il y a quelque chose en ébullition en vous, les lions. Vous allez avoir beaucoup d'énergie. On peut avoir de la passion, on peut avoir de l'amour dans une relation. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Allez, on va voir ce qu'on voit avec ça. Et on va prendre celle-ci. Et ben, encore une fois, regardez le chevalier de feu. Il y a quelque chose de passionné, confiant. Il y a quelque chose qui s'agite. Il y a un événement là. Il y a un événement qui sollicite toute votre attention, hein. Ça va vite, c'est fort, c'est intense, hein. C'est de la passion. Ça bouge, ça évolue, hein. Il y a de la précipitation, il y a de la fougue. Il y a que du feu là-dedans. Clairement, les lions, hein. Il y a quelque chose là qui va bouger, 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 très bouger. Et ça va être très, très, très intense, très fort. Bon, ben on va voir ce que c'est. Ce n'est pas forcément une passion amoureuse. On va voir ce que c'est. Peut-être c'est votre énergie à vous aussi, hein. Dans le professionnel, dans votre entreprise. Voilà, vous êtes passionné. Pourquoi pas? Allez, Lion.
Alors, votre énergie, votre mood, les lions, eh ben, l'empereur. Ok. Défi challenge pour ce week-end, le 9 de bâton. Ouh. Événement possible, waouh, les amoureux. D'accord. Conseil, chevalier d'épée et l'évolution. Le 4 de coupe. Ouh, on a le monde ici. Bon, le monde, hein, c'est la réussite, c'est l'ouverture. La réussite, l'ouverture, c'est un accomplissement. C'est ouais, c'est ça, c'est ça. On a peut-être, peut-être pour certains une réconciliation, pour d'autres une nouvelle opportunité, hein, peut-être sentimentale ou amicale à voir. Moi, je vois plus du sentimental. En plus, on a les amoureux ici, hein, ça c'est possible. Alors, votre énergie à vous, l'empereur. Ce week-end, vous êtes dans une énergie de feu. Ça, c'est la carte des béliers. Donc, vous êtes dans une énergie de feu. Vous voulez contrôler les choses ce week-end. L'empereur, ce qu'il décide, on le fait. L'empereur, il est très respecté aussi. Hein. Il est très respecté. C'est pas n'importe qui. Il est au-dessus d'un roi. Hein. Donc, votre énergie à vous, là, ce week-end, c'est je gère. D'accord? C'est je gère, je suis organisée, je gère, je contrôle la situation. Et en même temps, on est encore une fois dans le feu, dans la passion, etc. Alors, pour certains lions, peut-être que vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler aussi. Hein. Ça, c'est possible avec la carte de l'empereur et tout ça, mais c'est un projet qui vous passionne, hein, énormément. Alors, votre défi challenge, ben, on a le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, peut-être que votre défi challenge serait d'être un peu moins rigide comme l'empereur, sortir peut-être d'une forme de protection. Si ça, ça concerne une passion amoureuse, le sentimental, c'est vrai que peut-être que vous allez avoir besoin ou envie de vous protéger parce que votre énergie à vous, c'est « il n'y a rien qui va me déstabiliser ». D'accord. Pour d'autres, si ça parle d'un projet ou du professionnel, ben, votre défi challenge, ça va être la fatigue. Vous allez tellement y mettre du cœur et de la passion, du travail dans votre, dans ce que vous faites, qu'il y a un, voilà, il y a un risque de fatigue, d'être épuisé énergétiquement parlant. D'accord. Là, j'ai deux situations pour vous, les lions. Hein. Les événements possibles, ben, regardez, on a l'amoureux. Donc, l'amoureux, événement possible, hein, c'est effectivement d'attirer cette personne. Hein, là, chevalier, hein, c'est retour ou arrivée, hein, ça dépend. Hein, mais c'est ça, c'est la passion, encore une fois, la carte de l'amoureux. D'accord, c'est la passion pour ce week-end, que ce soit dans le travail, dans un projet, que ce soit au niveau sentimental. Hein, événement possible, c'est l'amour et la passion. Hein, c'est encore une énergie de feu, ça. Hein. Alors maintenant, le conseil, on a chevalier d'épée. Conseil, bon, n'allez pas trop vite, les lions. Gardez quand même votre contrôle sans trop vous protéger, être rigide. Mais le conseil, c'est voilà, on y va doucement en fait, parce que là, il y a beaucoup d'énergie dans tout ça. Hein. Donc peut-être si vous travaillez, pensez à vous reposer. Si c'est une relation, elle est intense, elle est forte, pensez à voilà, prendre un peu votre temps, à pas aller trop vite. Hein, le conseil vraiment, hein. Parce que là, en évolution, dans tous les cas, hein, j'ai l'impression qu'il va y avoir une forme d'insatisfaction. D'accord. C'est pour ça, là, si c'est une relation, si c'est un retour, si c'est une évolution dans une relation ou une rencontre, n'allez pas trop vite, mettez pas trop d'optimisme dans cette relation, de souhaits, de vœux, de trucs comme ça, parce que malheureusement, vous risquez d'être insatisfait. Vous voyez, si vous y croyez trop tout de suite, forcément, il y a un risque d'être déçu. Donc, on essaye de rester un petit peu terre à terre. Voyez, et si c'est dans le projet, si vous mettez trop d'énergie dans votre travail, etc., ben effectivement, à partir du moment où qu'on met beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir, qu'on donne beaucoup dans les situations, trop, c'est excessif, vous voyez, on a un risque d'être insatisfait, d'accord, de ne pas récolter ce qu'on a donné, d'accord. Donc, on gère les émotions, les lions, pour ce week-end, ça va être fort, ça va être intense, on essaye vraiment de se canaliser. Allez. Pour justement ne pas être dans une insatisfaction ou en manque après. Alors, les lions, dans les difficultés, je pense à mes réussites, à mes succès passés pour retrouver confiance en moi. Lors d'un conflit ou d'une situation stressante, nous avons tendance à être déstabilisés et à perdre notre confiance en nous. Pour la retrouver, rappelons-nous les événements positifs où nous avons brillé. Attendez. Pardon. Donc voilà les lions, n'en faites pas trop,
D'accord, n'en faites pas trop pour attirer, je ne sais quoi, pour briller ou quoi, ou qu'est-ce. Pensez à toutes vos réussites passées, d'accord? Et dites-vous bien que ce qui se passe là, c'est bien pour vous, c'est mérité, c'est... Vous voyez, je sens vraiment les lions que vous devez quand même tempérer, parce que ça va être fort et intense. Et juste tempérer, pourquoi? Parce qu'après, il y a un risque d'avoir un manque. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite de passer un bon week-end. Oui, J'espère que cette j'espère que guidance vous vous a allez bien parlé. et bisous. Bienvenue pour votre guidance, donc pour le dernier week-end de l'année 2022. Allez les amis, on va commencer avec la dominante, Bélier. Quelle est l'énergie de votre week-end, Bélier? Ce qui va se passer? La réussite, waouh, magnifique. Écoutez, une victoire là, un retour positif, une réussite, hein. Il y a un succès, il y a une récompense, hein. Il y a quelque chose de très très bien, on a un soleil en plus, Bélier. Allez, on va aller voir une carte complémentaire. Alors, Bélier, ici, on a une reine de terre, reine de denier. Peut-être une victoire par rapport à quelqu'un qui est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Peut-être une victoire, une réussite au niveau professionnel. Ça, c'est possible. Ou par rapport à votre entreprise, pourquoi pas. Pour ce week-end, ça peut être possible parce que la reine de terre, c'est ça. Allez, on va comprendre un petit peu plus. Bélier. Allez, c'est parti. Votre mood, votre énergie pour ce week-end. L'impératrice, on a eu la même chose pour les Gémeaux. Ok, votre défi challenge, roi de bâton. Bon, ben, vous êtes là, à dépasser. Non, pas à dépasser, événement possible, 10 de coupe. Conseil, 5 de bâton. Et l'évolution, l'as de denier. Ici, nous avons une reine de bâton. Donc là, c'est vous. Mais peut-être que cette situation, elle concerne deux signes d'eau, deux signes de feu, pardon. Bélier, lion, sagittaire. C'est possible parce qu'on a une reine de bâton et un roi de bâton. Mais on a aussi, j'ai l'impression de voir une triangulaire, parce qu'on a aussi une reine de denier qui revient là. Vous voyez, avec le fait de jongler avec deux comme ça. Hein, ça, c'est possible. On a peut-être même un carré amoureux pour le coup. À voir. Hein. Bon, ok. On peut avoir pour certains béliers hein, l'arrivée ou le retour d'un signe de feu. Hein. Taureau, vierge, capricorne. Bélier, lion, sagittaire ou taureau, vierge, capricorne. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, votre énergie à vous, bélier, votre mood pour ce week-end, l'impératrice. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la bienveillance. Avant tout pour vous-même, vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres. Vous êtes attentionné, vous êtes sensible. Vous êtes vraiment bienveillant aussi, bélier, pour ce week-end. Hein. Vous voulez pas de conflit, vous recherchez uniquement harmonie, amour, sérénité. Ok, votre défi, c'est un roi de bâton. Donc votre défi, c'est peut-être un signe de feu là qui va vous mettre au défi, bélier, pour ce week-end. Ça, c'est possible. Parce qu'admettons, si vous êtes là, défi par rapport à un signe... J'ai vraiment l'impression de voir une triangulaire. Hein. Défi par rapport à un signe de feu. Ok. Bon, un signe de feu va vous mettre au défi, bélier. Pourquoi? Parce que cette personne arrive, revient vers vous pour ce week-end. Pourquoi pas? Hein, ça pourrait un petit peu vous challenger, ok? Surtout si vous êtes déjà en couple, pourquoi pas, bélier? Ça, c'est possible. Événement possible, 10 de coupe. 10 de coupe, c'est un grand bonheur. C'est quelque chose qui fait plaisir. Donc, est-ce que finalement ce défi va vous faire plaisir? Ça, c'est possible. Événement possible, en tout cas, c'est le 10 de coupe. Donc, c'est un grand bonheur. C'est quelque chose qui vous fait vraiment, vraiment plaisir. Le conseil, on a le 5 de bâton. Donc, en conseil, je pense, sortez de certains conflits intérieurs parce qu'effectivement, là, on l'a en défi, ce roi de bâton. Donc, ça peut quand même, en même temps, vous faire plaisir, mais en même temps, vous mettre en conflit intérieur. Sortez de ce conflit intérieur. Vous voyez, s'il y a un conflit intérieur. Et puis, l'évolution, on a l'as de denier. Il y a quelque chose que vous allez devoir soit prendre ou soit proposer en évolution. D'accord? Moi, je vois une situation où, voilà, il y a une arrivée,
un retour, quelque chose qu'on vous propose, Bélier, qui peut en même temps vous faire plaisir, mais vous mettre en conflit intérieur. Et bien sûr, ça peut être par rapport à une triangulaire, mais ça peut aussi être par rapport au travail. D'accord? C'est ce que je vois, Bélier. On a les deux énergies. Maintenant, canaliser les conflits intérieurs. Allez vers ce qui vous fait plaisir, soyez heureux de ce qui se passe aussi, même si ça peut faire peur, parce qu'en évolution, on a un nouveau départ là avec l'as de denier. Voilà les amis, on a une proposition, on a une offre, on a quelque chose comme ça. Allez, Bélier, ici nous avons tout, absolument tout, ce qui survient dans ma vie est le résultat de mes pensées. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, de près ou de loin, provient de nos pensées. Nous en sommes responsables à 100%. Ben, c'est peut-être vous qui avez attiré ça, Bélier, hein? Avec des bonnes pensées positives, peut-être que vous avez pensé à cette personne, vous l'avez attirée, peut-être que vous avez voulu ce job ou cette évolution ou cette réussite professionnelle, ben vous l'avez attirée, ça c'est super. Donc pourquoi être en conflit intérieur, vous voyez, si vous avez attiré ça? Mais après, c'est normal. Mais choisissez le bonheur et l'amour. Voilà, Bélier, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez un bon week-end. Vous allez bien. Bientôt. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance pour le week-end, le dernier week-end de l'année 2022. Allez, c'est parti. On commence avec l'énergie dominante pour vos cancers. Alors, cancer, pour parler. Ok, pour parler, ça peut être des échanges, ça peut être de la communication, ça peut être des discussions, négociations, des choses comme ça. Alors, on va voir, on peut avoir aussi tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux, pourquoi pas. Communication avec plusieurs personnes, ça c'est possible, on va voir. Allez, cancer. Oh, on a la carte de la lune, l'unité et le valet de feu. Alors, l'unité, c'est la carte du... Ah, j'ai l'impression cancer, qu'on peut parler de plusieurs choses là. Peut-être d'une réconciliation avec une personne, ou peut-être communiquer sur tout ce qui peut être spiritualité et compagnie. Alors, peut-être, hein, vous êtes dans des groupes de partage. Ça, c'est possible. Et là, il y aura beaucoup de communication pour ce week-end. Ou sinon, peut-être communiquer avec une personne, mais là avec le valet de feu, moi je vois une nouvelle personne. Vous voyez, je vois comme une nouvelle personne et communiquer, une communication fluide, une communication sur les émotions, sur le passé, sur ce que vous avez vécu chacun dans vos vies respectives. En fait, c'est un partage de points de vue. C'est ce que je vois. Bon cancer, écoutez, on va voir. On va voir ce qu'on a avec le tarot. Allez, on a encore le pape et le 6 de coupe. On peut avoir une communication pour apaiser les choses concernant les enfants aussi, pourquoi pas. Ok. Ou par rapport à un enfant, ou peut-être communication avec un enfant. Allez, on va voir. Alors, c'est parti. Votre mood, votre énergie. La carte du pendu, cancer. Ensuite, votre défi challenge, 3 de coupe. Événement possible, chevalier de coupe, conseil, reine de bâton. Et l'évolution, cancer, l'impératrice. Ben, c'est très beau, hein? Ici, on a un chevalier de bâton. Bon, il y a quelque chose qui arrive à vous. Les cancers, il y a quelque chose qui arrive à vous. Une personne qui arrive à vous, qui va communiquer avec vous, une personne que vous connaissez ou pas, ou peut-être un retour. Ça peut être possible aussi, les amis, hein? Allez, on va rentrer dans les détails de la guidance. Donc, votre énergie à vous, cancer, c'est le pendu. Le pendu, on peut parler de distance, d'éloignement, on peut parler de ce besoin de prendre du recul, j'ai l'impression, émotionnellement. D'accord? Votre énergie à vous, c'est à la distance ou c'est au lâcher-prise. D'accord? Ça dépend si c'est quelqu'un qui vient communiquer avec vous ou si c'est une nouvelle personne, il y a quelque chose comme ça. Ok, dans tous les cas, le pendu, on est quand même détendu, on est dans le lâcher-prise, on ne se tracasse pas. Maintenant, votre défi, on a le 3 de coupe. Donc, votre défi peut être une réconciliation cancer. Ça, c'est possible. Je pense vraiment que là, ce week-end, il y a quelqu'un qui vient se réconcilier avec vous, hein. Si c'est déjà le cas, peut-être il s'agit de beaucoup communiquer avec cette personne, hein, pour ce week-end, crever l'abcès.
Crever l'abcès, exprimer votre point de vue aussi, pourquoi pas, ce que vous pensez de la situation, du passif, de ce qui s'est passé, c'est tout ça. Donc ça, c'est un peu un défi, en fait, hein, d'être en accord avec l'autre et d'aller vers une réconciliation, parce que là, vous, vous êtes complètement dans le lâcher-prise par rapport à cette relation. D'accord. Alors ensuite, événement possible, regardez, chevalier de coupe, c'est peut-être qu'on vienne vous témoigner de l'amour, s'excuser, vous draguer et compagnie. Vous voyez, c'est tout ça, hein, les événements possibles. Le conseil, reine de bâton, on vous demande d'avoir confiance en vous. D'accord. S'il y a un choix entre deux ou autre, le conseil, on vous conseille peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais sinon, le conseil, c'est ayez confiance en vous, soyez sûr de vous par rapport à cette personne, hein. Dites les choses, exprimez-vous, ayez le côté un petit peu autoritaire. Peu importe pourquoi, peut-être que vous avez juste besoin de vous libérer, libérer la parole. Peut-être vous voulez évoluer avec, bon, peu importe, mais dans tous les cas, agissez. D'accord, ne restez pas à distance parce que peut-être qu'intérieurement, ça vous travaille quand même. Et l'évolution, on a l'impératrice. Donc l'évolution, déjà, vous allez vous sentir bien, bien envers vous-même. Vous allez vous aimer, aimer aussi les efforts, là, le fait de dire les choses, de dire ce qui vous a fait mal ou ce qui vous fait mal, cancer. Et peut-être même que l'évolution, on peut avoir de l'amour, hein, pour ceux qui décideraient, hein, d'évoluer avec cette personne. Donc voilà, il y a, de toute manière, c'est pour tous les signes-là. Je pense qu'il va y avoir plein de communications là pour ce week-end. Il y a des choses qui vont se clôturer. Il va y avoir des évolutions ou des libérations. Et je pense qu'en cette fin d'année, c'est hyper important de crever l'abcès. Allez, cancer, on termine avec une petite carte conseil. Alors, je vais en avoir deux pour vous. Première, lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. Lors des événements difficiles de notre vie, demeurons dans la confiance. Les épreuves sont toujours suivies par des changements ou des opportunités qui nous seront bénéfiques. Donc, vous voyez, vous sortez peut-être d'une épreuve, il y a quelque chose de bien qui va arriver. Le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre, la joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Donc dans tous les cas, il faut pardonner, cancer. D'accord? Pardonner, ça ne veut pas dire se réconcilier. Pardonner, c'est voilà, s'exprimer, dire ce que ça nous a fait mal et puis même accorder un pardon pour vous libérer en cette fin d'année. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé. À bientôt et passez un très très bon week-end. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du dernier week-end de 2022. Allez, c'est parti, on va aller prendre la dominante. Poisson. Alors, la dominante du week-end. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? Un départ, les poissons. Bon, il y a un départ. Soit vous vous envolez vers quelque chose, il y a un changement. Dans tous les cas, il y a un changement ce week-end. Hein. Ou soit vous vous éloignez, vous vous détachez d'une situation. D'accord? On continue. On va avoir plus d'énergie avec ce jeu. On va voir si c'est un envol ou si c'est un éloignement. Poisson. Eh bien, on a le 5 de terre. Ok, vous vous détachez de certaines, alors d'une situation qui crée des blessures de l'âme, les amis, j'ai l'impression, ou qui crée des manques, des choses comme ça, une situation qui est incertaine, une situation où peut-être vous vous accrochiez à cause de blessures de l'âme. Il y a quelque chose comme ça. Moi, je pense vraiment que vous vous détachez, poisson. Là, c'est ce qu'on me dit. Allez, on va voir avec le tarot. Peut-être vous vous détachez d'un manque, peut-être que quelqu'un vous manque. Et bien là, ce week-end, voilà, vous vous éloignez de ça, vous lâchez prise émotionnellement sur ça. C'est possible. Allez, go! Alors, poisson, votre énergie, votre mood. Waouh, l'as de coupe. D'accord. Défi challenge. Le valet de pentacle. Événement possible, le 3 de denier. Conseil. Le 2 d'épée et l'évolution, le 5 de coupe. Ok, il y a un passé à lâcher. Hein. Là, on a, oh, c'est bien, on a un 4 de bâton et on a le chariot. Je pense, poisson, vous vous stabilisez. Je pense que vous avez pris une décision
Vous avez pris deux décisions en fait, poisson. C'est ce que je vois. Vous avez pris la décision de vous libérer, de vous détacher de certaines peurs ou d'une situation qui crée chez vous l'abandon, l'injustice, la trahison, le rejet, etc. Et en même temps, vous avez pris la décision d'agir dans une autre situation. Donc moi, là, je vois un éloignement et un envol. Clairement, je vois les deux. Alors, votre mood, votre énergie, regardez, vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Vous avez peut-être envie d'aimer une nouvelle personne. Vous avez peut-être envie d'ouvrir votre cœur à quelqu'un. Vous avez peut-être envie d'exprimer des sentiments, d'exprimer des émotions, d'exprimer des choses, hein. D'être dans l'amour, en tout cas pour ce week-end. Maintenant, votre challenge défi, on a le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle nous parle de nouveautés déjà, nouveautés, nouvelles opportunités. Peut-être que votre défi challenge sera justement de tenter quelque chose. D'accord? Par exemple, poisson, si vous avez des sentiments avoués à quelqu'un, peut-être que là, c'est le moment hein, de lâcher ses peurs ou ce manque de confiance en vous, peu importe, et de commencer justement quelque chose dans la matière. Là, on est dans les deniers, d'accord? De commencer quelque chose. Et ça va être ça, votre défi, votre challenge. C'est d'y aller, c'est d'exprimer ses sentiments, c'est d'aller vers ce nouvel amour, c'est d'ouvrir votre cœur si besoin, vous voyez? Événement possible, on a le 3 de denier. 3 de denier peut être une forme de partenariat avec quelqu'un, de réconciliation, on peut avoir ça, hein, vous voyez? Peut-être que vous allez tenter quelque chose pour ce week-end, vous vous sentez suffisamment stable, vous avez peut-être lâché des choses récemment, et là vous êtes prêt, soit à aller vous réconcilier, ou soit à proposer quelque chose de concret à quelqu'un. Et en tout cas, exprimer aussi des sentiments, des émotions. Conseil, 2 d'épée. Le 2 d'épée, n'hésitez pas. D'accord? N'hésitez pas. Ne laissez pas le mental un petit peu vous faire attendre ou ne laissez pas les doutes, les hésitations et la peur. D'accord? Des fois, dans la vie, il faut prendre des risques et il faut y aller. C'est ce qu'on voit. Hein. L'évolution, on a un 5 de coupe, vous allez lâcher le passé. D'accord? Parce que je pense que là, vous êtes vraiment entre deux. Vous êtes entre le passé et le futur. Et là, vous êtes en même temps en train de lâcher ce passé, mais en même temps en train d'avancer vers l'avenir. Je vois vraiment peut-être entre deux personnes, les amis. Ben, l'évolution, vous allez lâcher hein, des émotions du passé ou une personne du passé. À vous de voir comment ça parle. Mais dans tous les cas, allez-y. Allez-y, vraiment, allez-y, proposez quelque chose. Arrêtez de vous protéger, d'avoir peur, de garder les choses pour vous, de fuir un petit peu, c'est ce qu'on voit, ou de vous inquiéter. Franchement, allez-y, parce que aussi, le fait d'y aller, d'exprimer des sentiments, des choses comme ça, va vous permettre de lâcher le passé. Donc, ça peut être ses émotions, ses blessures de l'âme, comme ça peut être aussi peut-être une personne. Voilà, poisson. Allez, on termine avec une petite carte. Trop tôt, et puis j'en ai trop. Allez, poissons. Eh bien, on va prendre celle-ci. La guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur. Et elles sont là, vos aspirations. Donc, allez-y, faites-le. Vous allez voir après comment ça va évoluer. Je pense que ça va bien se passer et que ça va vous-même vous soulager, vous faire du bien. Voilà, poisson, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. À bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc du dernier week-end de l'année 2022. C'est parti, les amis. Alors, la dominante... Ah ben non, j'ai pris ça avant. On va voir. Je voulais prendre un autre jeu avant. Je vais commencer par ça. Allez, scorpion. La dominante pour ce week-end pour les scorpions. Ce qui va se passer ou les énergies. Scorpion. Ouh, l'amour, les amis. Ça, c'est vraiment très, très beau. Il y a de l'amour dans l'air. En plus, avec le 4 de denier, là, il y a une forme de stabilité. Il y a peut-être même un engagement sentimental. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Il y a une clairvoyance. Il y a de la foi aussi. Hein. Peut-être qu'il y a un pardon aussi dans une relation. Hein. En tout cas, voilà, 4 de terre, c'est déjà une énergie stable parce qu'on est dans les 4. Mais c'est aussi l'amour que vous voulez garder. Hein. J'ai l'impression que vous voulez garder une personne, en fait, les scorpions. Ou peut-être que c'est de l'amour pour vous. Alors, à voir avec les cartes du tarot ce qu'on a. Ça peut être l'amour pour vous aussi. Hein. Allez, on va voir ça.
Peut-être que vous stabilisez Scorpion émotionnellement parce que là, ce week-end, vous avez envie de penser à vous, de vous apporter de l'amour, de voilà, d'être un peu égoïste, hein, pour une fois, j'ai envie de dire. On va voir. Allez, Scorpion. Alors, votre mood, votre énergie, reine de denier. Ouais, ben, je pense que c'est l'amour pour vous. Hein. Alors, le défi challenge, le 3 d'épée. Événement possible, reine d'épée. Conseil, 7 d'épée. Et évolution, le 3 de bâton. Ouais, ben, je pense que c'est de l'amour pour vous. Hein. Ouais, en fait, vous êtes en train de comprendre quelque chose. Regardez derrière, on a votre carte. On a la carte de la mort avec la carte de la roue de fortune. Je pense que vous êtes en train de comprendre déjà là actuellement hein, qu'il y a quelque chose qui est terminé, que vous êtes vous-même en train de changer, de vous transformer, que vous avez envie d'un nouveau départ, que peut-être hein, y a une situation qui change, hein, qui ça vient, ça part, il y a un peu ça. Vous n'en voulez plus non plus les scorpions. Hein. Je pense vraiment que l'amour et le 4 de denier, c'est l'amour pour vous-même. Là, ce week-end, vous décidez de vous aimer, vous décidez de vous prioriser et ça, c'est grâce à une compréhension parce que vous avez laissé des chances, parce que voilà, il y a eu des allées, des retours, des choses comme ça et là, je pense que c'est plus possible pour vous. Alors, parce que votre énergie, c'est la reine de denier. Donc, vous êtes la reine de denier. La reine de denier, elle prend soin d'elle, elle se respecte. Elle se donne de l'amour, elle prend soin de son corps, de sa santé, etc. Donc, vous voyez, on en revient avec ce 4 de denier. Hein. Ce week-end, là, votre énergie, c'est je pense à moi, je prends soin de moi. J'ai compris que peut-être je me sacrifiais ou je perdais mon temps ou j'essayais de retourner vers une situation qui n'est plus possible, qui n'est plus viable, qui m'apporte finalement pas quelque chose de positif. Et là, votre défi challenge, c'est de faire un deuil. Vous voyez, avec le 3 d'épée, vous devez faire un deuil justement sur une situation qui est trop bancale ou qui est terminée actuellement. Vous voyez, vous devez faire le deuil et vous prioriser les scorpions. C'est vraiment hyper important. Événement possible, reine d'épée. Ben, reine d'épée, c'est encore vous, en tout cas dans ce cas de figure, dans le sens où là, vous allez décider. Vous allez décider que stop, c'est stop. Fini, c'est fini. Et j'arrête de souffrir, j'arrête de me prendre la tête, et j'arrête avec cette situation, j'arrête avec cette relation. Maintenant, je prends des grosses distances, je pense à moi, je fais mon deuil, c'est fini, c'est terminé. Voyez ? Conseil, 7 d'épée, fuyez cette situation. Hein. D'accord ? Mais surtout, n'ayez pas peur de vous tromper. N'ayez pas peur de faire le mauvais choix. Écoutez votre cœur, écoutez votre corps, vos émotions dans cette situation et vous allez comprendre que le choix à faire, c'est vraiment de lâcher prise, quoi. D'accord ? L'évolution, 3 de bâton, bah, 3 de bâton, vous allez voir l'avenir. D'accord ? Parce que je pense que dans cette situation, bah, vous ne voyez pas plus loin. D'accord, c'était trop incertain, trop voilà. Ben là, 3 de bâton, vous allez déjà attendre quelque chose de significatif qui va arriver. Et en plus, vous allez pouvoir voir un petit peu plus loin, vous projeter, avoir des projets, faire revenir une forme de créativité. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. Donc là, pour vous, hein, Scorpion, c'est un deuil pour vous, pour, égoïstement, pour penser à vous et pour être bien. Allez les amis, on termine avec une petite carte. En même temps, on est en fin d'année. Donc, fin d'année, là, hein, avec les résolutions, stop, stop, stop. Tout ce qui n'est pas bon, on ne démarre pas 2023 avec des boulets, quoi, ou avec des bagages. Qu'est-ce que je choisis ? La peur et la haine ou la paix et l'amour ? Nous avons le choix de mettre notre vie à la haine, de mettre dans notre vie la haine, la rancune, la peur et l'agressivité, ou la compassion, la paix, le bonheur et l'amour. La décision nous appartient. Et vous voyez, votre décision là, c'est l'amour. Mais l'amour pour vous, le bonheur que vous allez pouvoir percevoir un petit peu plus tard, la paix, la sérénité, la compassion. Voilà, Scorpion. Ben, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à très bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous.